Livia, aujourd'hui on se retrouve pour une petite visite sur Conan Exil de ma base dans la glace. Et sans perdre de temps, on va aller voir ça tout de suite. C'est parti! Allez, c'est parti, on va visiter. Donc, on va commencer par la tête de pont avec ses deux têtes de dragon. Tiens, je sais pas ce qu'il me veut lui, mais pas du bien. Voilà, donc on traverse le pont-levis. On arrive dans un sas, un portail, un sas, un portail, et on est dans la cour de la partie supérieure. Voilà. La partie supérieure, c'est vraiment pour dissimuler la base principale qui est en dessous dans la glace. Donc là, je vous montre vite fait la tour. Là, vous pouvez voir les balcons où il y a les archers dessus. Donc, on va faire le petit tour du propriétaire. Voilà, vous pouvez voir que j'ai mis pas mal d'archers et pas mal de combattants. Bon, bien sûr, les archers, c'est des frayas. Hein, c'est un homme du Nord et les combattants, c'est des T4 du volcan. Donc on va monter sur la muraille. J'ai fait qu'un accès à la muraille, donc il va falloir faire tout le tour. Donc là, on peut apercevoir les balcons avec les archers. Il y en a vraiment partout. Donc, on va faire le tour. Hein, de la muraille pour vous montrer le nouveau temple. Je sais pas si tout le monde l'aura vu. Je pense que si, parce qu'à l'heure où la vidéo sortira, la mage aura déjà faite depuis 2 jours. Donc voilà le nouveau temple. Je le trouve sympathique. Il est sympa. Vivement qu'il les pète. Donc là, on va aller visiter l'intérieur de la tour. Donc au rez-de-chaussée, il y a la map. La map avec la petite marmite pour nourrir les PNJ, parce que sinon, au bout de 7 jours, ils meurent. Et vu comment c'est embêté à les farmer, il vaut mieux pas. Là, on va appeler l'ascenseur. Et à cet étage-là, en fait, à l'intérieur, il y a la roue. Et sur le balcon tout autour, il y a des... Que des archers, pareil, hein, Freya. Bon, j'ai mis des bras zéro à Kélanien. J'aurais peut-être pas dû parce que c'est la galère à passer. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. On continue le tour. Bon, comme c'est des Freya, tiens, je vais regarder les PV qu'ils ont. 2700, ils ont augmenté. Avant, ils avaient 1250, hein, à peu près. Donc, c'est pas mal, hein. Elle a un régime particulier apparemment. Bon, puisque elle avait 2700. 2700. Hein, je l'ai vu il y a 2 minutes, je m'en souviens même plus. Je vais aller voir le combattant T4, combien il a lui. 6150. Oh ouais. Ah oh ouais, ça pète ça. Ça va faire le café ça. Vu qu'en moyenne, j'en mets une soixantaine un peu partout. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va monter maintenant. Donc là, juste là, ici, là, à cet âge-là, il y a la roue. Hein. On monte pas parce que c'est juste une roue. Donc on monte. On est arrivé. Comme à l'étage du inférieur, hein, balcon, archer. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Et là, on va rentrer. Et ici, c'est les ateliers. Voilà. Comme d'habitude, hein, il y a tout. Donc maintenant, je vais aller en profiter pour vous faire visiter vraiment la vraie base, hein, qui est à l'intérieur. Donc, j'espère que vous êtes bien accrochés, parce qu'il va falloir passer toutes les portes que j'ai mis, parce que j'ai une façon de build un peu particulière. Donc, fondation triangle, il y a des portes à chaque angle de fondation. Donc, voilà, ça en fait de la porte.
Là, pour descendre à l'intérieur de la glace, il y a 27 portes. Donc, faut pas se paumer, parce qu'en plus j'ai fait deux chemins. Un chemin un peu troll pour les gens qui viennent raid, au cas où ils se trompent près de porte. Comme ça, ils arrivent à l'autre côté où il y a juste un petit coffre avec deux petites cochonneries dedans. Voilà, histoire de bien les troller un petit peu. Et qu'ils doivent tout recommencer. Faut juste espérer qu'il n'y a personne qui arrive en face. Sinon, on est mal. C'est bien pour ça qu'on a mis une tour au-dessus avec des ateliers pour être tranquille, puisque les raids, nous, c'était que le week-end à l'époque. Donc, la semaine, on était tranquille en haut. Voilà, on arrive à l'intérieur de la glace. Donc, bah, l'étage où je suis, c'est les chambres. Hein. Voilà, on était trois dans le clan, donc trois chambres. Il manque un peu de déco parce que bah, le mode pipi est désactivé étant donné que ça faisait planter le jour de la mage. Donc là, on va descendre en dessous, on va passer le sas. Hein. Moi, j'aime bien les portes, hein. C'est gratuit, j'en mets partout. Donc voilà, l'étage, une petite table. Donc là, on arrive aux alchimistes, hein. Toujours 4 moi. Je sais pas pourquoi 4, j'aime bien le chiffre. Et là, on arrive à l'autre salle où il y a l'armurier, les fondeurs et les tanneurs. J'aurais pu rajouter des trucs. Et là, les charpentiers, les forgerons. Voilà, la déco est sobre. Maintenant, on descend. Encore un sas. Et là, j'étais un peu fifou. J'ai dit, allez hop, je mets un deuxième sas, histoire d'être tranquille. Voilà. Donc, à droite, c'est la map pro. La map, voilà. Et au fond, j'ai fait une espèce de petite serre avec des jardinières à l'intérieur. C'était mon petit trip et il y avait de la place. Je ne savais pas quoi mettre. Donc, voilà. J'ai dit, on va combler le trou, on va mettre des jardinières. Et à droite, ça va être la cuisine. Donc, le poêle amélioré. Les deux grands feux. Les petites ruches. Et donc sur ce serveur, j'ai fait une petite truc ici. J'ai rajouté un volt hein, sur l'officiel PVP. Je ne l'ai pas fait parce que bon, je voulais pas qu'il me rase tout. Voilà. Et par cette porte-là, hein, qui va donner la même construction que même nombre de portes à peu près que qu'au-dessus, hein, que pour descendre du haut. Donc il y a à peu près ouais, 25-26 portes aussi. Et ça donne accès à la partie inférieure de la glace. On est dans le gouffre, là où il y a les grands avalanches. Voilà. J'ai été raid une fois, personne n'a réussi à rentrer. Et sinon, j'ai une autre base un peu dans le même style, pas dans la glace, hein, qui était raid. Et c'était un admin pour rigoler, il voulait se faire plaisir, donc il a raid ma base. Et il m'avait dit en retour que j'étais un fou parce que il avait bien galéré à la raid. Voilà, c'était encore plus petit qu'ici et il y avait plus de portes avec trois chemins. Ah oui, moi les portes, j'y vais. Donc quand on va sortir, on verra juste à la fin, il y a juste un portail et un pont-levis. J'ai juste mis ça histoire de faire un petit peu de PV en plus avant de rentrer. Voilà. Les gens déjà quand ils ont pété ça, ils ont peut-être utilisé 10 jars, 20 jars, allez, on va dire. En gros. Donc après, il y a toutes les portes à passer. Donc là, on se retrouve en mode fly pour une petite vue du dessus. Hein. En plus, il fait nuit, on a le droit à la lumière des braseros, ce qui rend très joli. Le petit temple est sympa. Et donc, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à mettre un j'aime en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir.
Je vous remercie.